Salut à tous, c'est Gomix, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier live et on est sur Farming Simulator. On est sur une petite map que beaucoup de gens doivent connaître. Il s'agit en fait de la map de Farming Simulator 2011. Donc c'est la map, elle a juste été convertie, mais moi j'avais envie de la reprendre parce que c'est la première map sur laquelle j'ai joué. Farming Simulator 2011, c'est le premier mon premier farming et j'ai passé pas mal d'heures en fait sur cette map. Donc vous me direz, elle est toute simple, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'avais envie de l'utiliser en fait pour faire un peu de live tranquille. Ça va me permettre en fait d'essayer des mods avec vous tranquillement. Oh là là, ça glisse, voilà. Donc en fait, on est sur la map de 2011. Donc il n'y a rien de vraiment changé. Alors attendez, dis pas de bêtises. Les champs n'ont pas vraiment évolué. En fait, ce qui a été ajouté, c'est vraiment, ils ont un peu modifié le corps de ferme et la ferme céréalière en fait, où on était là-bas, en face, comment vous dire, juste en face, je vais y arriver, en face le magasin là, à côté où d'habitude on commençait, c'était vraiment la ferme principale et en fait il y avait la ferme d'élevage où on vient de partir. Donc, ils ont vraiment modifié que ça en fait, ajouté la partie bois, mais sinon la map reste la même. Il y a certains champs qui ont été un petit peu regroupés. Sinon, il n'y a rien qui change. Mais moi, c'est une map qui me plaît toujours autant. Elle est simple, pas trop grande, au moins ça me convient. Donc c'est un petit live que je, par contre, oui, que je rediffuserai. Hop, on arrive au travail, on va venir travailler un petit peu. Que je rediffuserai en fait sur ma chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, le lien est en dessous. N'hésitez pas à vous abonner, oh là, je me trompe, à me faire des petits commentaires pour que je puisse m'améliorer. C'est avec grand plaisir que je prendrai les commentaires, hein. Alors, on va commencer. J'avais dit que je voulais faire. On va commencer par le maïs. Alors. Pardon monsieur. Faut peut-être que je baisse les rampes, ça va être mieux. Alors, W, je crois. Voilà. W. Voilà. Alors je suis au volant, désolé, je me trompe un petit peu sur mes touches. Voilà. Un peu compliqué ce début. Je crois que j'ai oublié de détacher. Et pour détacher, c'est B. Voilà, là elle est détachée, on l'a bien vu. Alors, on va se mettre en route. Et on est parti. Bon, passer, non, on va prendre la route quand même. En fait, si je me trompe pas, je crois que les champs qu'on a au début sur le 2015, en fait sur la map 2011 là, converti, c'est les mêmes champs qu'on avait à faire au début.
exactement les mêmes, si je me souviens bien, parce que je crois que oui, il y a celui de là-bas. Et c'était tout, je crois. Il y en avait encore un autre un peu plus loin. Je crois bien. Alors, un X. Non, c'est pas ça. Je me rappelle plus des touches. Bravo, bravo. Si, c'est ça, pourtant. Ouais, j'avais sélectionné l'outil. Bon, d'accord. Ça, c'est good. C'est bon. Alors, est-ce qu'elle est en route? J'ai pas l'impression, par contre. Attendez, on va voir ça tout de suite. Non, elle n'est pas en route. Et pourquoi elle n'est pas en route? Tout simplement pour ça, je pense. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Ouais, c'est un champ carré, donc c'est très bien. Ce que je vais faire, j'ai juste en fait faire les deux premiers passages de chaque côté en grain et on récupérera le reste en maïs. En silage, pardon. Le but, c'est qu'il faut que j'achète des vaches. Ça va être aussi bien. Ça va être aussi bien. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en fait que je sois sur cette map là. Si ça vous plaît, je pense que je referai d'autres lives dessus de temps en temps. Ça peut être intéressant en fait, ça peut être une map que je vais utiliser pour juste pour délirer en fait. Voilà, c'est tester les modes. Jouer tranquille en fait, c'est ça, dans un premier temps. Donc, si vraiment ça vous plaît, dites-le moi. De toute façon, c'est des petits épisodes que je rediffuserai sur ma chaîne s'ils sont assez propres. Faut aussi voir le rendu. Ça sert à rien que je vous mette une rediffusion si la qualité est merdique, on va dire ça. Après, si vous aimez bien farming, il y en aura aussi sur ma chaîne. Pas en live, ce sera plutôt des vidéos. C'est déjà en cours de préparation. Ce sera des petits roleplay en fait. Je suis en train de monter deux petites séries en roleplay. Une qui sera vraiment centrée uniquement sur le bois. Et une autre vraiment agriculture, céréales et les animaux. Voilà, ce sera deux petites séries en roleplay. On va essayer de bien séparer en fait le bois et l'agriculture. Ça peut être intéressant. Donc si jamais ça vous intéresse de faire du roleplay, n'hésitez pas à me contacter, envoyer un petit message, je vous mettrai un lien sur ma chaîne. Vous me contactez sur ma chaîne ou sur le mail que j'indiquerai en bas de la vidéo. Si vous avez envie de me rejoindre. Alors, ce qu'on va faire,
on va arrêter ça, on va le garder pour l'ensilage, comme ça je vais pouvoir mettre l'ensileuse toute seule à travailler. Et puis moi je serai avec le tracteur. Voilà, on va replier, bien sûr. Si je change, ce sera mieux. Voilà. Un truc bizarre là. Ce que je vais faire, le maïs, je vais chercher un tracteur. Voilà, ma petite voiture de la ferme qui est sympa, qui est pas mal. Je vais descendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le petit Renault. On va attendre qu'il démarre quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Tout est normal. Tout est normal. On va le mettre là. Je ne sais encore plus, je crois. Comme ça, c'est mieux. Voilà. On va ouvrir la porte. C'est quand même mieux. Et on descend. On va la mettre là pour l'instant. Est-ce que ça va le faire? Ouais, ça devrait le faire normalement. Parfait. Je m'excuse auprès des gens du BGA, hein. J'utilise votre plateforme les gars, mais bon. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de boulot, donc c'est bon pour vous, hein, je pense. Allez, on continue. Alors attendez, où est le champ? Il était de l'autre côté. Si on peut y aller par là, c'est pas grave. Il est au fond. Je vais détourer, je pense. Et puis après, je vais laisser faire la machine parce que j'ai des ouvriers qui travaillent. Qui sont déjà au travail, mais à mon avis, il va peut-être falloir que j'aille surveiller ça. Alors. On est parti. Que je dise pas de bêtises. Toc. C'est parfait. Ah oui. Bien Goomix, bien. T'aurais pas oublié un truc Goomix, par hasard. Par exemple, vider la traînée. Par exemple. Alors, on va essayer d'éviter de switcher de trop. Ce qu'on va faire, on va reprendre notre ami. Le pick-up. Allez, en voiture. Il a l'air d'avoir un peu un bruit assez fort ce pick-up. On va aller à la ferme. Aller à ce qui était avant là, en fait, la ferme principale où on stockait tout notre matériel avant, on va dire la partie c'était, oui, si c'était la partie céréalière, en fait il y avait les silos dans le temps qui étaient ici.
Et je suis tellement parti vite que du coup, je viens de passer devant, sans m'en rendre compte. Ça a quand même un peu changé. Si vous souvenez bien, avant ici, il y avait une grande plateforme en fait. On retrouve un peu ici, hein. Mais sauf qu'ils ont ajouté des bâtiments. Et on va faire un petit tour. Il y a plein de bâtiments pour le bâtiment à paille qui est toujours là. Et après, c'est que du rangement en fait. Là, on devant un grand bâtiment qu'on avait déjà, je crois, si je me souviens bien, et qui était tourné dans l'autre sens. Donc le Chevrolet, il est un peu bruyant, je trouve. Alors là, quand on passe derrière, on a les poules qui sont ici. Et en fait, après, ici, c'est l'engrais et les semences. Donc ce qu'on va faire, est-ce que j'ai un tracteur ici? Je crois que j'ai un tracteur. Donc ici, c'est les betteraves et les pommes de terre. Non, j'ai pas de tracteur. C'est bizarre, ça. Si, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, on va le mettre là pour l'instant, tiens. Hop. Allez, c'est parti. C'est juste pour sortir, dis donc. Et on va aller chercher une remorque à la ferme. La ferme, c'est par là, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Enfin, je traite mes champs aussi. Je vais mettre de l'engrais parce que ça va pousser un peu vite. Faut que j'oublie ça. Si on veut avoir du rendement. La remorque est là. Trop loin. Par contre, j'espère que... Bon, j'ai pas mis de masse, j'espère que ça va le faire. Est-ce qu'on peut ressortir par là? Oui. Bon, d'accord, il n'y a pas de chemin, on va essayer de quand même respecter les chemins. Et on peut même pas faire le tour. Bon, on va couper demi-tour, tout. Je pense que la remorque devrait être assez grande quand même, pour le grain, pour le si peu de grain que j'ai. Et on est reparti. C'est dommage par contre qu'ils aient pas remis la circulation. Ça aurait été pas mal. Oui, ça c'était la laiterie, je crois. Par contre, je me demande si maintenant on... Enfin, c'est même pas, je me demande si on doit amener, je crois. Il y a ça, d'accord. C'est nous qui devons amener le lait. Ce qui est pas mal, ça fait un petit peu plus de travail. Ça glisse, ça, donc. Voilà.
C'est même pas sûr qu'elle prenne le grain, le maïs. C'est même pas sûr. La dernière, est-ce qu'elle prend? Si, pourtant. On va remonter dans notre moissonneuse. Ouais, en même temps, si j'étais dessous, ça le ferait peut-être mieux. Voilà. Ça marche tout de suite mieux. Et on est parti. Par contre, on va regarder si elle fait bien les ondins. Non, ça broie. Alors, c'est ça, non? C'est ça. Parfait. Allez, on est parti. C'est pareil, j'ai détouré cette partie de champ, ce champ là, puis après, comme je vous disais, j'ai laissé travailler la moissonneuse. On va aller voir un peu ce que font les ouvriers. Ouais, je vois, ouais, d'accord. Bon. On voit que c'est vraiment une conversion. Parce que si vous regardez les ondins, c'est vraiment les ondins de base et tout. Mais après, c'est toujours sympathique de jouer sur cette map là. De rejouer, on va dire. On va faire un deuxième tour. Après celui-là, non, je la laisse bosser. Je la laisse bosser comme ça. On verra bien.
En fait, ça va être mieux de la faire bosser dans ce sens-là. Bon, ok. Au tracteur, on va essayer de pas abîmer le tracteur. En même temps, si je l'avais pas mis là, il nous embêterait pas. Bravo. Allez. Je laisse bosser, moi je descends. On va aller vider la remorque. Remarque, pour ce qu'il y a de grains, je pense que si je peux la vider là, je vais la vider là. On va pas s'embêter. On peut pas, on peut pas, on peut pas. Ah, tiens donc, alors. H, où est-ce qu'il y a un point de vente alors? Il n'y en a rien par là. D'accord. Lumière, ah, si, les lumières sont mises. Ah, c'est pas le moulin qui est là, non? Je crois qu'il y avait le moulin dans le temps. Ah, c'est ce qu'il appelait sur la demi-onde. C'est ça. J'espère que ça va pas me faire de manque. Parce qu'il faut dire que les ouvriers y sont très doués pour ça. Tiens, un petit peu de lag. Bizarre. Je vais laisser bosser. Ensuite, non, ça c'est ce qui. Lui, on va le laisser là. Lui, on le laisse là. Alors voilà. Hop, changer, changer, c'est bon. Ah. Celui est mort pourtant, qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Il est planté peut-être dans un. On va regarder ça tout à l'heure. Alors. On va ressemer les bords déjà. Attendez, est-ce que je vous dis ça? Mais est-ce que il lui en reste au moins. Alt H. Ah si, c'est bon, il a 2%. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire.
Allez, à l'autre bout. 55, ouais, ça doit être bon, non, mais pas de soucis. Ça va le faire sans problème. Marge, je fais une passe, mais ça a l'air d'être bon. Il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Eh ben, on va retourner à la ferme, j'ai envie de dire. J'ai toujours pris assez large. Là, on va être... j'en ai encore deux à ramener après. J'ai pris un peu d'avance, j'ai fait semer quelques champs quand même. Alors, où est-ce qu'on va mettre ça? Allez, très bien. Non, c'est pas ça, c'est ça. Et comment je sors moi, maintenant? Ça va passer. Et voilà. Ah, si, c'est bon. Je suis un peu rendu dans le tracteur quand même. Voilà, parfait. Alors, non, ça on s'en fiche, on s'en fiche. Lui, alors lui, qu'est-ce qu'il a, lui, le père? Ah. Effectivement. Il y a un problème quand même. Au fou quand même. Bon. Qu'est-ce qui arrive? Et ben, ce qu'on va faire, on va le réinitialiser, puis c'est tout. Alors, par contre...
tracteur, tracteur. Il y a tout ça comme tracteur là-dedans. Voilà. Réinitialiser véhicule, oui. Ok. On va réinitialiser, oui. Ok. Et puis on va réinitialiser ça. Oui. Ok. Tiens, on est là, ça tombe bien. Bon, le 950, lui. Non, le volant. Tu viens te mettre comme ça, s'il te plaît, mon petit. Et lui, je crois, de toute façon, il est vide. Alors, ce qu'on va faire, on va le plier, on va repartir. On n'est pas très loin, de toute façon. On est pas loin, je suis peut-être bien en train de partir à l'envers quand même. Oh. D'accord, alors. Ça y est, je vois où on est. C'est pas loin pourtant, c'est pas compliqué. Tourne là. Alors, ouais, bon. J'ai toujours pris assez large. Remplissons, remplissons. Allez.
Attendez, parce que là, je suis en train de faire deux choses à la fois en fait. Je conduis et je regarde un autre écran. Un peu compliqué. Et oui, j'ai du mal à faire deux choses à la fois. Ça déjà, on va l'enlever. En fait, je suis au... Oula, je suis au téléphone au volant. Ce qui complique un peu les choses. Ah, voilà ce que je cherchais. Donc... Alors, on clique par là. Ah bah voilà. Alors, pour pas faire de bêtises, Alt, H. Ok, c'est 2. Alors, je... On est au champ 23, hein, je crois. Ah non, on est au 21. Chapeau. Chapeau. 21. Le 21, il est là, en cours de croissance, et c'est bien de l'orge. Ok. Alors, attends. On va éteindre les gyrophares pour l'instant. Alors, est-ce que pour une fois il a réussi à me faire un... Ouais. Pour une fois qu'il arrive à me faire un champ qui est pas carré complètement, sans trop de conneries. Moi je dis bien, bien joué l'ouvrier. Hein. Bien joué. Pour une fois. Toc, et voilà.
Alors, enchant, qu'est-ce qu'on a de fait? Le 8, le 8, ah bah c'est peut-être où était le 1050 à mon avis, ouais, le blé. On a un de blé, deux de blé, pas beaucoup en fait, hein. 1, 2, 3 de orge. Ah, peut-être aller mettre le 4 en blé, le 4 et 5 à la limite, côte à côte. La ferme est là, ouais, je vois à peu près où c'est. Le 4 et 5, et après on fera donc on fera des patates peut-être quand même. Ah oui, ouvrir, pourquoi il veut pas m'ouvrir lui? Allez, attendez, on va peut-être rester là, toc, et on va. Mon avis, je m'en doutais. On va essayer de se le faire propre quand même. Je vais pas marcher dans, enfin rouler dans les cultures. J'aime pas trop ça. T'es viré toi, hop voilà, ça marche mieux quand toi tu le vires l'ouvrier. Ah bravo, bravo, oh, bah d'accord, je veux pas rouler dans les cultures mais je casse tout aussi. Petit chapeau comics. Allez, rapide. Voilà, il suffit d'aller doucement. Et ça marche. Au moins, on sera tranquille. Je m'en vais, je m'en vais. Ah, pour enlever le tracteur aussi, peut-être. Voilà, alors, bon, pas de phare, j'ai pas besoin de phare, lui, ok. Où c'est qui? Ah bah ça c'est pas mal au moins. Et lui il remarche, ouais voilà. Donc à mon avis on était sur une, sur un élément invisible. Tracteur. Où est-ce qu'il est? Mais attendez, si on est à côté du 8, on va aller au 8. Pour trois côtés. Bon. Alors que je me trompe pas sur la route pour aller au 8. Bah on n'y était pas mais on y est. Sérieux, qu'est-ce qui se passe là? Oh. Ah d'accord. J'appuie sur la touche pour embaucher un ouvrier. Bon, bravo. Ça continue. Normalement, je dois pouvoir. Excellent, voilà.
Du blé. Celui-là, hop, on va le mettre là. Il va se caler tout seul. Ok. Bon, lui, il est bon. Lui, il fait la sieste. Lui, du coup, on va le remettre. On fera un peu de tri de matériel tout à l'heure parce qu'on a un peu beaucoup de. Un peu beaucoup de tracteurs pour rien. Le semoir, il est dans quel sens? Ouais, d'accord, ça peut être évident ça. C'est good. Alors, on a dit qu'on allait au champ, tout là-haut. Et pour aller au champ tout là-haut, ce serait bien par là, je crois. On clique à droite. Ouais, c'est ça. Et après, par là, non? Bon, on y est, de toute façon. On y est, ok. Par contre, lui, il consomme pas mal le tracteur, là, quand même. Et j'avais dit qu'ici, je voulais remettre du... du tournesol. Attendez, on va regarder parce que si on peut mettre du tournesol, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Hop, hop, hop. Erreur, erreur. Voilà. Tac, quand même. On va regarder. Sinon, tant pis. Déjà, ce qu'on va faire. H, non pas H. On va aller acheter le champ. Ce sera mieux. Il y a un chemin qui monte là. En face, il va falloir qu'on regarde ça. Au bout de 3 fois, j'y arrive. On achète. Je vais tout de suite aller acheter l'autre au fond là-bas aussi. Ça sera fait. Acheter, c'est vu. Alors si on peut mettre du tournesol, on va mettre du tournesol, j'y crois pas. À mon avis, c'est le mode qui fait ça. Ça active pas lui. Si je fais mon ami, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, c'est pas vrai, putain. C'est pas vrai. J'ai oublié de remplir le semoir.
Il veut pas lui. Non, il veut pas. Bon, bah ça veut pas, c'est normal, c'est vide. Bravo. Voyage pour rien. Toc, on va replier. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une... Ouais, on va faire une petite pause. Je vais revenir d'ici un petit quart d'heure. On reprendra. Ça, en attendant, je vais finir de remplir mon semoir. Et je vais regarder que tout marche bien. Et puis ça va nous permettre de faire une coupure, de faire un épisode en fait pour la chaîne, comme ça. On démarrera en fait avec l'épisode, on dira avec l'épisode 2. Pour ceux qui ne seront pas là tout à l'heure, je vous dis, eh ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Bon, les vidéos vont arriver. Hein. C'est quelque chose que j'ai... On va dire que je mets en place doucement. C'est vraiment selon le temps. Parce qu'il faut savoir que bon... C'est une passion. J'ai d'autres choses à faire à côté aussi. J'ai surtout envie de poster en fonction de mes envies. Quand j'ai envie, j'ai pas envie de me forcer là-dessus. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Hein. Les nouvelles vidéos vont arriver, je vous dis. Des nouvelles séries sur farming vont se mettre en place. J'essaierai de développer d'autres jeux aussi. Et puis bah, pour le live, on se retrouve tout à l'heure. Allez, salut pour ceux qui s'en vont. Et puis à tout de suite pour les autres.